Tu mets en plein écran peut-être d'ailleurs. Bonsoir à tous. On attend un petit peu encore puisqu'il y a plus de 150 personnes qui se sont inscrites. Donc on va attendre quelques minutes. Je me déconnecte deux secondes et je me reconnecte parce que je ne vois pas tout le monde. Donc bonsoir, bonsoir. On va attendre encore quelques minutes. Il y a une quarantaine de personnes pour le moment présentes. Il y avait une centaine, un peu plus d'une 100, 140 ou 150 inscrits à peu près. Donc on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Je te propose qu'on démarre, Charlotte. Je pense qu'il y a une. Voilà. Ça bouge encore un petit peu, mais il est 32. Et peut-être 32. Merci, Alexandra. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre donc, pour ce webinaire RH consacré donc, ce soir au recrutement, aux postes ouverts, mais plus généralement à la présentation donc, des métiers du ferroviaire chez RICOP.
Je suis Charlotte Bouquet, chargée du développement des ressources humaines chez RAECOP depuis 7 mois. Lors de ce webinaire, donc Alexandra de Bézieux vous présentera ou représentera ce qu'est la coopérative RAECOP. Je vous expliquerai donc comment se compose aujourd'hui notre équipe opérationnelle et les postes à pourvoir. Et nos responsables de pôle vous présenteront les métiers couplés d'un témoignage de 2 de nos salariés. Nous aurons par la suite un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Alexandra, je te laisse la parole du coup. Merci Charlotte. Donc en quelques mots, hein, parce que je pense que vous êtes beaucoup à être sociétaires ce soir, même si ce webinaire est ouvert aussi aux non-sociétaires. Mais juste pour rappel, donc RAECOP, on est la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif d'Europe. Donc on est une société coopérative d'intérêt collectif qui a plusieurs principes, en fait, dans sa gouvernance. C'est qu'on associe finalement une pluralité de personnes physiques ou morales qui partagent le même objectif. Tu peux revenir au slide d'avant, Charlotte. Ça défile un peu, mais voilà. Donc, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui associe effectivement à la fois les bénéficiaires personnes physiques, donc les citoyens qui veulent remettre du train dans les territoires, les bénéficiaires personnes morales, les collectivités et également les salariés donc, qui sont associés à la gouvernance de RAECOP. Si tu peux revenir un peu en arrière, Charlotte, si c'est possible. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire tout de suite. Il y a un petit problème. Charles, est-ce que tu peux je vous demande juste un petit instant le temps de. Hop là. Un peu vite. Alors, c'est pas grave si le support n'est pas en cohérence, je peux continuer à présenter quand même rapidement. Rapidement RAECOP en attendant que tu puisses revenir sur le slide. Donc, on est une entreprise aussi qui a été reconnue ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, par l'État l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment qu'on a une mission en fait, sociale, en fait, notamment par rapport à des enjeux de développement territorial et également statutairement. Donc, on a l'obligation d'encadrer les rémunérations au sein de RAECOP. Donc, le statut ESUS prévoit une échelle de rémunération qui ne peut pas excéder un ratio de 1 à 7. Donc, voilà. Peut-être que tu peux te déconnecter, Charlotte, et puis refaire la. Donc voilà, donc RAECOP, effectivement, entreprise solidaire d'utilité sociale, avec comme finalité, comme vous l'avez vu, hein, je pense pour beaucoup d'entre vous, de vraiment remettre des trains là où il n'y en a plus, donc de venir compléter le maillage ferroviaire existant, que ce soit pour le développement de marchandises, et derrière Charlotte, vous voyez la jolie affiche du coup par rapport à notre service fret, puisqu'on a démarré notre service fret en fin d'année dernière, mais également développer le service voyageur, donc notamment sur la ligne Bordeaux-Lyon, dès que nous aurons bouclé notre tour de table financier pour pouvoir finaliser effectivement la rénovation de notre matériel roulant. Donc voilà les deux ambitions en tout cas de RAECOP, continuer le développement sur le fret et aller sur le voyageur. Alors, quand on travaille chez RAECOP, donc je vais m'arrêter là sur la présentation générale, on va dire, de la coopérative et sa mission et ses finalités et ses objectifs. Quand on travaille chez RAECOP, on est salarié de RAECOP, on n'a pas d'obligation à être sociétaire. Néanmoins, effectivement, les salariés de RAECOP peuvent, s'ils le souhaitent, être sociétaires de la coopérative et à ce titre, participer notamment aux instances de gouvernance de la coopérative. Participer au conseil d'administration. Donc, on a d'ailleurs ce soir un salarié, Jérôme Croquet, qui est membre du conseil d'administration de RAECOP également. Donc, Jérôme, je pense que tu présenteras effectivement ton expérience en tant que salarié sociétaire impliqué au conseil d'administration. Super, merci Charlotte. En tant que salarié sociétaire, on a la possibilité de participer aussi donc, au cercle gouvernance qui définit les statuts de la coopérative. Tout à l'heure, j'évoquais le plafonnement des rémunérations au sein de l'entreprise. Ça a été défini dans les statuts et donc c'est le cercle gouvernance qui définit ces principes-là. Également, le règlement intérieur de la coopérative. Et puis, de participer au conseil d'administration, je l'ai dit, mais pas que. Il y a également au sein de la coopérative une commission d'éthique et de médiation qui est là justement pour établir et veiller au respect d'un certain nombre de critères
critères et d'éléments de charte, enfin, d'éthique, en fait. Donc, la commission actuellement est en train de rédiger la charte éthique pour le fonctionnement de la coopérative. Et donc, la commission d'éthique et de médiation est là, justement, pour s'assurer du bon fonctionnement de la coopérative en lien avec ses valeurs. Voilà, donc quand on est salarié sociétaire de RICOP, en tout cas, on peut participer à ces différentes instances. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, les recrutements sont ouverts à tous. Il n'y a pas d'obligation, encore une fois, d'être sociétaire de RICOP quand on est salarié chez RICOP. Mais voilà, il y a cette opportunité qui est aussi offerte aux salariés, en plus, bien évidemment, de toutes les autres instances de représentation qu'on peut trouver dans n'importe quelle entreprise. Notamment, on a au sein de RICOP, depuis quelques mois maintenant, un CSE qui a été installé et donc qui représente également les salariés. Voilà, je m'arrêterai là sur cette présentation de l'entreprise et de la coopérative. Je te laisse à nouveau la parole, Charlotte. Je sais pas. Alors, s'il y a des questions, je vous invite à les poser dans l'onglet Q&R là, qui est en bas, et on y répondra. Alors, soit au fil de l'eau, soit à la fin, en fonction des questions qui sont posées. Merci. Merci, Alexandra. Oui, alors, je vous prie de m'excuser pour ce petit couac technique. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait une question sur la définition du statut ESUS. Donc, peut-être qu'Alexandra, tu pourrais y revenir par la suite pour répondre à cette question à cause de l'aide. Petit couac technique. Merci beaucoup. L'équipe opérationnelle aujourd'hui se compose de 37 salariés chez RICOP, qui sont répartis dans 5 pôles d'activité, le pôle donc développement de l'offre et de l'innovation, production de l'offre, financement et partenariat, moyens généraux et bien sûr sécurité. Les 37 collaborateurs sont donc répartis sur 5 sites, Figeac dans le Lot, Cap-de-Nac, là où nous sommes aujourd'hui avec l'équipe opérationnelle que vous rencontrerez tout à l'heure, Barre ou Alexandra, il me semble, et nous avons aussi mis à disposition à Vichy et Villeurbanne des bureaux pour nos télétravailleurs. C'est important pour nous de leur apporter un confort en télétravail. Aujourd'hui, donc, nous recrutons. Donc, vous avez peut-être pu découvrir nos différentes offres sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux, métiers de la sécurité, de la production ferroviaire et de l'ingénierie ferroviaire. Donc, nous allons commencer tout de suite par la présentation des métiers de la sécurité ferroviaire, donc par Jérémy Audi, notre directeur de la sécurité, et notamment donc par le poste de chargé de mission sécurité ferroviaire. Sachez que durant la présentation de ces métiers et de ces postes, vous aurez donc les compétences majeures que l'on recherche qui seront affichées donc sous les postes. Jérémy, si tu es avec nous, est-ce que tu peux nous expliquer d'ores et déjà en 3 mots le poids de la sécurité dans le ferroviaire? Oui, bonjour à tout le monde. Du coup, je le résumerai en 3 mots. La sécurité, c'est le respect de la réglementation en vigueur, qui est de portée, on va dire, internationale, puisque du coup, il y a des organisations internationales comme le COTIF ou autre qui édictent des règles qu'il faut respecter, ou l'UIC, après d'ordre européen et national. Et donc, du fait du respect de ces règles et le montage d'un dossier de sécurité, du coup, on obtient un certificat de sécurité. Chose que l'on a obtenue, donc, comme l'avait dit Alexandra, en novembre dernier. Ensuite, c'est il y a une notion de maîtrise des risques, puisque le milieu ferroviaire est soumis à des risques, et c'est un peu comme le milieu de l'aviation ou du nucléaire. Il faut avoir une maîtrise des risques. Et après, je dirais, il y a aussi la notion de garantir et maintenir un niveau de sécurité, parce que sur le réseau ferré national ou sur lequel opère RICOP actuellement, on n'est pas seul. Il y a des trains de voyageurs, il y a d'autres entreprises fret, et du coup, on se doit d'avoir un niveau de sécurité et une exigence parfaite au niveau sécurité. Du coup, chez RICOP, tu peux nous expliquer comment elle se vit, comment ça s'articule au niveau de ton pôle, comment c'est organisé? Je dirais que, en fait,
Quand j'ai été recruté par Nicolas, moi aussi, j'ai l'objet d'un processus de recrutement. Ça fait partie, on va dire, la sécurité d'une des valeurs de la coopérative. Ce n'est pas la seule, mais voilà. Et elle est mise en valeur par les moyens qui nous sont attribués, notamment par la structuration d'un pôle sécurité qui nous a permis donc déjà de franchir toutes les étapes de création de l'entreprise ferroviaire. C'est pour moi aussi un engagement aussi bien de la direction, mais à tous les échelons de l'entreprise, que ce soit au niveau donc direction, mais aussi en opérationnel. De la rigueur, quand on est dans un milieu soumis à des risques, du coup, il y a une certaine rigueur à avoir et il faut montrer une certaine exemplarité. C'est vrai que je suis le premier salarié, outre Alexandra et Nicolas, je suis le premier salarié de la coopérative. Et quand voilà, il fallait qu'on fasse nos preuves. Et du coup, pour faire nos preuves, le meilleur moyen, c'est de montrer l'exemple et de bâtir une structure solide. Chose enfin, voilà, qui a été. Voilà, on a encore des preuves à faire, on a encore de la maturité à gagner. Néanmoins, ce certificat de sécurité qu'on a obtenu, il a été audité par le PSF. Et nous avons obtenu un audit qui est de bonne facture avec certes quelques non-conformités, mais qui est vraiment très, très positif et avec même, comment dire, pas les félicitations du jury, je n'irai pas jusque-là, mais en gros, qu'on peut continuer sereinement notre activité, voire même de la développer et d'aller voilà, sans, avec la structure qu'on a mis en place sur le voyageur, voilà, moyennant bien sûr une structuration encore plus importante, etc. Mais voilà, on est sur les bons rails pour développer notre activité, aussi bien sur le fret que sur le voyageur. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ça. Et bien sûr, c'est avoir une organisation structurée qui fait gage de sérieux, donc avec des process en place, des personnes et une organisation en place. Voilà un petit peu en faisant court. Merci, Jérémy. Et du coup, dans le cadre de ce développement, donc nous sommes à la recherche donc d'un ou d'une chargée de mission de sécurité ferroviaire. Est-ce que tu peux nous rappeler, enfin nous présenter plutôt les missions qui sont attachées à ce poste? Oui, donc en fait, c'est vraiment une personne qui est là pour nous seconder en fait hein, sur différents aspects. Dans l'animation notamment du SGS qui est en place. Donc SGS, c'est Système de gestion de la sécurité, qui est une structure, enfin voilà, enfin, c'est le système de gestion de la sécurité, c'est on va dire un ensemble de références, de processus qui nous a permis d'obtenir donc, ce fameux certificat de sécurité. Donc l'animation du SGS, participer au développement de l'entreprise donc, par le biais du SGS, parce que du coup, on a commencé petit, on a été, on va dire, on est certes ambitieux, mais on est raisonné. Et du coup, Nicolas pourra le partager, on est dans une phase de développement. Et le CSU qu'on a obtenu, eh bien, il y a des extensions de périmètre géographique et technique. Par exemple, pour l'instant, on n'a qu'un périmètre sur la région Occitanie, même s'il déborde un petit peu sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, on est, par exemple, actuellement dans une phase de demande d'extension de notre CSU sur différentes lignes supplémentaires par rapport à notre demande initiale. Donc voilà, il y a tout un dossier à monter auprès de l'EPSF pour étendre le CSU. Donc c'est participer à ce développement-là, élaborer et mettre à jour les documents en lien avec, constituant le SGS. Il faut savoir qu'actuellement, on a environ 600 références. On a élaboré 600 références qui constituent ce fameux système de gestion de la sécurité. Donc, tout cela demande une veille et une mise à jour constante. Donc, le poste de CMSF est en plein dans ces missions-là. Il y a aussi aider, donc, il y a une personne qui est dédiée à la veille, mais c'est aussi de le suppléer là, sur la partie veille réglementaire. Comme je vous l'ai dit, on est soumis à la réglementation, donc à un certain plan international, mais aussi européen et national. Donc, on a énormément d'éléments, de textes législatifs à veiller, donc pour contribuer à cette veille. Participer, contribuer au processus de contrôle interne et de l'audit interne. Contribuer au pilotage des plans d'action, aussi bien sur la partie sécurité d'exploitation ferroviaire, mais aussi, il ne faut pas occulter la partie SST, sécurité santé au travail, sécurité du personnel,
même si voilà, depuis quelques mois, nous avons un RQHSE dédié plus ou moins à ces missions-là, il faut aussi l'accompagner, ne pas occulter la partie SST et aider donc, Rémi, s'appelle Rémi, dans ses missions. Contribuer aux analyses de risque, donc, sans vouloir rentrer dans la technique, mais c'est un référentiel SOC en application d'un règlement européen, c'est 402-2013, parce que dès qu'on a une évolution d'organisation, un changement dans l'entreprise, un nouveau trafic, un changement d'organisation, une évolution réglementaire majeure, on doit faire une analyse de risque, puisqu'on a constitué un SGS sous l'approche de la maîtrise des risques, et du coup, on doit mettre en place des analyses de risque. Donc, c'est contribuer à ces analyses de risque, participer de façon globale à la démarche d'amélioration continue, en contribuant donc à ces fameuses MSC, au processus REX et d'enquête. Donc, on touche du bois pour l'instant, on a très, très peu d'incidents. Donc, il y a peu d'enquêtes à mener. Néanmoins, voilà, ça fait partie de la fiche de poste du CMSF. Analyser les écarts identifiés lors de la surveillance des activités, notamment lorsqu'on fait des contrôles internes, des contrôles de processus. Ben, on voit des non-conformités, hein. C'est fait pour ça, du contrôle interne. Et donc, du coup, il y a une analyse des écarts qui doivent être faites. Et donc, le poste de CMSF, voilà, ça fait partie de ses prérogatives. Contribuer à l'analyse des événements, donc c'est lié au processus d'enquête, en fonction du domaine de compétences. Donc, soit il y a trois grands domaines, hein, la traction, le matériel roulant ou bien le niveau exploitation. Donc, c'est en fonction des compétences, ben, contribuer à l'analyse de ces événements. M'accompagner, m'aider sur la rédaction du rapport annuel de sécurité auprès de l'autorité, donc le PSF en France, et remonter, m'aider à élaborer chaque trimestre la remontée des indicateurs de sécurité, donc ce qu'on appelle les fameux ISC, accompagner les nouveaux collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise, parce qu'on a voilà, voulu impliquer l'ensemble des collaborateurs. Il n'y a pas que les gens qui sont à la prod ou à la sécu qui sont impliqués dans le EGS, on a voulu vraiment instaurer une culture sécurité au sein de l'entreprise. Et pour cela, donc, le CMSF, je souhaiterais qu'il participe à ces formations, ces sensibilisations de l'ensemble des collaborateurs. Bon, c'est déjà fait pour ceux qui sont dans l'entreprise, mais pour tous ceux qui vont la rejoindre. Et il y a aussi une notion de participer à l'astreinte encadrement, parce que comme toute entreprise ferroviaire, on doit mettre en place un dispositif de continuité de service et de gestion des événements de sécurité. Et donc, du coup, le poste de CMSF est impliqué sur ces missions. Voilà. Je ne sais pas si j'étais… Merci, Jérémy. Je pense que tu peux peut-être rester avec nous pour la suite des questions. Je pense qu'il y aura un certain nombre de questions qui risquent d'être posées. Mais merci beaucoup. En tout cas, c'était hyper précis. Donc, merci beaucoup. Un des cœurs de métier, donc très, très en lien avec la sécurité, c'est forcément donc les métiers de la production ferroviaire. Et donc, Charles Andrieux, responsable de la production ferroviaire, est avec nous pour donc, vous présenter les différents métiers et du coup, plus spécifiquement, le métier donc, dans le cadre de métier conduite. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la production ferroviaire? La production ferroviaire, c'est justement organiser les moyens de production pour assurer la réponse à un besoin qui a été émis par un client. Donc, ça concerne justement l'utilisation du parc matériel, que ce soit machine ou wagon, que les moyens humains, donc les opérateurs au sol et les conducteurs. Et donc, également les entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer comment aujourd'hui est composée l'équipe de production ferroviaire pardon, et les spécificités de cette équipe liée à RIPOP? Alors, il y a actuellement trois conducteurs et trois opérateurs au sol et COP qui travaillent dans le pôle production. La particularité justement liée à ce travail-là, c'est justement la polyvalence qu'on cherche à avoir auprès des différents agents, qui justement ne vont pas être juste une tâche, mais pouvoir accomplir différentes missions en lien justement à cette production ferroviaire. Une forme de responsabilité aussi. Exactement, d'être directement responsable, d'être responsable au maximum de la chaîne de production du train en quelque sorte. Pardon, sur le poste de coordinateur des opérations de production, polyvalence et responsabilité. Exactement. Ok, très bien. Du coup, revenons sur le poste d'encadrement métier conduite. Est-ce que tu peux donc nous expliquer quelles sont les missions qui sont liées à ce poste et les enjeux? Ouais. L'encadrement métier conduite, en fait, il est un rouage, en fait, lié justement au cadre de sécurité que va nous poser le pôle sécurité. Lui va s'assurer justement que
l'ensemble de la réglementation qui est imposée auprès des conducteurs est bien appliquée, de s'assurer justement les formations continues auprès des conducteurs, le maintien des compétences et assurer de la pédagogie sur les différents changements réglementaires qui peuvent être appliqués justement sur une carrière d'un conducteur et également une mission managériale auprès de ces conducteurs. Très bien, merci beaucoup Charles. Donc nous allons aussi accueillir donc deux de nos salariés. Patrick, qui est donc conducteur de train fret, sociétaire donc, au collège salarié, qui est arrivé chez nous en février 2022. Patrick, qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre l'aventure Rycop en tant que salarié? Rejoindre l'aventure Rycop, c'était 20 ans par défi, parce que la mise en place du certificat de sécurité qu'avait fait Jérémy, j'ai trouvé ça, pour l'avoir fait dans une entreprise autre, c'était tellement important que j'ai trouvé que le défi était sympa. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rejoint l'activité. En quoi consiste ton métier en trois phrases? Alors oui, on peut dire un conducteur de train, bon, on voit à peu près ce que ça représente, mais il y a le vivre et il y a l'idée du métier. C'est ça, c'est de conduire des locomotives. Donc, sur un parcours, là, on est à Cap-de-Nac. Donc, le parcours qu'on a actuellement pour le fret, c'est Cap-de-Nac, Tessonnière, Saint-Jean. Bien. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer aussi, nous parler de l'expérience de travail chez Rycop, les spécificités, ce que tu lui as trouvé en condition de vie, en condition de travail, en qualité de vie? Alors, il n'y a pas tellement de spécificités, sauf que au niveau travail propre, pour ceux qui connaissent, c'est de la voie unique, donc ça, c'est assez spécifique, mais bon, c'est de la conduite de train. Après, au niveau de l'ambiance de travail, moi, je travaille avec des jeunes et j'adore. Je trouve qu'il y a une ambiance sympa et c'est vrai que de nous rejoindre, une très bonne ambiance. Ouais. Bonne ambiance, équipe soudée aussi. Ah oui, équipe soudée, c'est vrai. Très soudée. Très bien. Qu'est-ce qu'être sociétaire salarié donc pour toi? Sociétaire, ouais, donc on revient au début. Je trouvais que l'aventure était sympa, donc c'est pour ça que j'ai mis. Mais avant, j'étais un des premiers sociétaires et en plus, bon, j'habite dans le Gard. J'ai été sensibilisé justement à la mise en place d'une entité ferroviaire et déjà dans l'autre. Et puis j'ai trouvé ça important et de ramener un peu de vie dans l'autre, parce que c'est vrai que c'est aussi. C'est très vivant quand même le l'autre. Oui. Très bien, merci beaucoup Patrick. Tu restes avec nous pour les questions? Exactement. Super. On accueille Jérôme Croquet, donc, qui est coordinateur des opérations de production, qui est sociétaire, qui est même membre du conseil d'administration depuis les dernières élections. Donc c'est tout frais, ça c'était le premier conseil il n'y a pas très longtemps. Et tu es arrivé chez Rycop en novembre 2021. Donc j'ai envie de te poser exactement la même question que j'ai posée à Patrick. Qu'est-ce qui t'a décidé de rejoindre l'aventure Rycop en tant que salarié? Alors, bonjour. Personnellement, le projet m'a plu énormément parce que alors moi je suis pas du Lot comme Patrick, donc je viens de bout de la France et c'est suite à un reportage qui avait circulé là sur Envoyé spécial, j'ai suivi la coopérative à partir de ce moment-là et le projet de lancer toute une nouvelle entreprise avec la création, le développement et l'appropriation du territoire m'a pas mal intéressé. Donc, il y avait un challenge derrière. OK. En quoi consiste le métier de coordinateur des opérations de production? Alors, Charles, on en a un petit peu parlé, voilà. Mais je veux bien que tu comprennes. Alors, le COP a deux missions. On va dire une sur le terrain qui concerne plus les opérations sol, donc vérifier la mise en sécurité de la circulation avant son départ, donc vérifier au niveau des chargements que tout correspond. Et au niveau de la circulation, faire circuler en sécurité avec ses trains et compagnie. Et le deuxième point, est plus organisationnel et on va dire de bureau, c'est gérer toute l'organisation opérationnelle de la circulation avec les aléas afférents à toute circulation ferroviaire, donc gérer tous les impondérables. Ton expérience de travail chez Rycop, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire si, Alors, l'avantage de partir de zéro, c'est qu'on profite des compétences de chacun avec beaucoup de polyvalence. Et ça permet de se développer sur pas mal d'activités et d'évoluer en même temps que l'entreprise. Donc, on prend des compétences qu'on n'a pas, on développe d'autres et on partage la formation sur des nouveaux arrivants. Donc, c'est vraiment multi-poste et multi-carte.
Et donc, être sociétaire salarié, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Enfin, aujourd'hui, ça, c'est un vrai enjeu. Alors, oui, là, bah, sociétaire, c'est surtout le projet m'avait plu. Salarié, bah, à tel point que voilà, j'ai fait un changement de vie exprès pour rentrer. Après, c'est vrai que depuis peu, je suis au conseil d'administration. Je ne sais pas si c'était mon plaisir. L'avantage, c'est un peu le lien entre le conseil d'administration et la partie production est un peu une sorte d'intermédiaire technico, ouais, technique et opérationnel pour, on va dire, orienter les décisions dans un aspect pratique, technique et réaliste. Merci beaucoup. À moi, tu vas y rajouter quelque chose, Jérôme. Wow. Si tu dois, je répondrai à d'autres questions, mais voilà, c'est vrai. Tu restes avec nous. Alors, merci beaucoup. Donc, on a Nicolas Devizeux qui est là donc pour nous présenter les métiers de l'ingénierie ferroviaire. Donc, on a deux postes ouverts actuellement. Nicolas, je vais te laisser la parole. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer l'impact de l'ingénierie ferroviaire à ce stade de développement de RAECOP? Merci Charlotte, bonsoir à tous. Donc le volet à l'ingénierie ferroviaire, c'est ce qui est en amont en fait, de la préparation de nos services. Jérémy me rappelle souvent qu'une locomotive, on ne monte pas à bord, on ne tourne pas la clé dans le contact et on part. Préparer un service ferroviaire, c'est tout un ensemble d'éléments techniques. Il faut qu'on fasse, par exemple, qu'on s'assure qu'on ait les sillons, comment on intègre les sillons, notamment dans les circulations qu'on peut avoir, et les wagons à considérer, il y a l'étude de compatibilité des wagons à faire. Donc, il y a tout un ensemble en fait, de préparations techniques qu'on doit faire entre, on va dire, l'expression du besoin d'un client. Il y a un client qui nous dit, voilà, je veux transporter tant de tonnes de bois, je veux transporter telle marchandise à tel endroit. Ça, c'est l'expression de besoin du client. Et la réponse, l'offre qu'on peut mettre en place pour réaliser en fait, le besoin de ce client. Et il y a toute une phase d'ingénierie en fait, qui est nécessaire, et c'est notamment le poste de chargé de mission conception des techniques des nouveaux services ferroviaires qui est là justement pour préparer les choses. Alors, des fois, ça peut être des ajustements, des flux qui sont mineurs, et puis après, ça peut aller sur des choses un peu plus complexes qu'il faut évaluer avant de savoir si on s'engage ou pas dans la mise en place de ces flux, parce que ça peut avoir un impact majeur sur l'organisation. Donc, il y a des relations à avoir avec, bien entendu, le pôle sécurité, mais également un lien étroit avec le pôle production, avec Charles notamment. Voilà, et pour voir en fait comment on peut mettre ces services en place et qu'on les prépare avant d'en assurer la commercialisation. Donc, c'est très clair pour moi, forcément. Je ne sais pas si. Oui, tu le connais un petit peu. On verra après par la suite pour les questions. Est-ce que tu peux nous présenter du coup l'équipe, hein, comment se constitue le pôle aujourd'hui dans lequel s'intégrera donc ces deux postes? Donc, c'est le pôle développement de l'offre et de l'innovation. Oui, alors c'est vrai que j'ai focalisé beaucoup sur le poste de conception technique des nouveaux services ferroviaires. On a un autre poste, effectivement, qui est le poste donc, de chef de projet rénovation et maintenance des matériels roulants. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, donc, et après je répondrai à ta question sur l'organisation, hein, mais comme je n'ai pas encore parlé de la rénovation, donc aujourd'hui, effectivement, on loue notre matériel fret. Mais vous avez pu voir, je pense, dans la presse qu'on a entamé le processus de rénovation, notamment de nos rames voyageurs. C'est des projets industriels qui sont complexes et sur lesquels on a besoin effectivement de se renforcer et notamment pour suivre toute l'ingénierie liée à la rénovation à venir de nos matériels roulants voyageurs et puis plus globalement, effectivement, de voir comment on arrive à bien se dimensionner au niveau de notre flotte de matériel roulant qui est un actif clé au niveau de l'entreprise. Alors, le pôle, donc le pôle développement de l'offre comprend en fait trois cellules. Une cellule qui se focalise effectivement sur l'ingénierie ferroviaire, donc sur la phase de conception technique des nouveaux services. Sur lequel on a besoin de se renforcer, notamment au regard du développement des services fret. On a de plus en plus de demandes sur les services fret et donc il y a besoin de concevoir ces services. On a un pôle qui comprend également ce qu'on appelle le processus capacitaire
c'est-à-dire les discussions avec SNCF Réseau pour avoir des sillons de circulation en fait, sur le réseau ferré, qui est un élément clé. Et notamment, comme le rappelait Patrick, je crois, quand on est en voie unique, où il y a des contraintes qui sont importantes. Donc voilà, donc il y a ce volet-là, tout ce volet-là de l'ingénierie. On a un pôle, une cellule plutôt commerciale, développement commercial, qui est là pour le coup en contact avec les clients, essayer de faire des offres commerciales aux clients en comprenant leurs besoins, en les accompagnant dans une logique vraiment de développement territorial aussi. C'est-à-dire que je pense que ce qui fait la richesse aujourd'hui des métiers de Jérôme, David et Séverine, c'est qu'en fait, on est aussi dans une logique de développement territorial. Donc, on a des clients qui viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes logistiques. Et nous, on essaie de concevoir de concevoir des offres qui s'intègrent dans une logique de logistique globale. Voilà, et pas juste sur le service ferroviaire qu'on peut donner. C'est une réflexion sur les flux et sur comment on accompagne en fait le développement aussi des entreprises du territoire à travers les offres ferroviaires qu'on peut leur apporter. Et puis, il y a un pôle développement de l'offre voyageur qui aujourd'hui se focalise notamment sur tout ce qui est présence en gare. Là, on a un gros sujet en ce moment sur la présence en gare. Et puis, bien entendu, tout ce qui est billettique, tout ce qui est service client, enfin tout ce qui est lié en fait au développement de l'offre voyageur. C'est une partie de l'entreprise qui pour l'instant est un peu mise en pause le temps qu'on puisse avancer, comme le disait Alexandra tout à l'heure, sur le tour de table financier sur le voyageur. Mais on a déjà quelques personnes, bien entendu, qui travaillent là-dessus, donc sur ces sujets-là, et qui sera amené à se développer beaucoup plus fortement dans les mois qui viennent. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Je regarde si mon micro est bien activé. Oui. Du coup, je vous remercie à tous pour votre attention. On a déjà quelques questions dans les questions-réponses. Si donc nous avons donné envie de nous rejoindre, si vous avez envie de mettre vos compétences au service de cette aventure, vous pouvez retrouver donc toutes nos offres sur notre site internet rycop.fr, sur lequel vous aurez donc le descriptif de tous les postes avec toutes les compétences associées. Et nous attendons et nous étudierons donc toutes vos candidatures. Maintenant, on vous laisse la parole si vous avez des questions, mais on est là pour y répondre. Merci beaucoup. Je crois qu'on avait déjà deux questions. Alors, pourriez-vous nous donner des éléments plus concrets sur l'activité du fret, combien de trains par jour et par ligne, nature du fret, quid de vos rapports avec la SNCF? Charles, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, alors actuellement, on est sur une moyenne de 3 trains par semaine. De 3 trains par semaine, c'est la moyenne qu'on fait actuellement pour répondre aux besoins qu'on a. Et l'évolution, elle va être assez marquée sur l'année 2023 surtout. C'est là où on prendra. Là, ce sera une année dense, très dense. Et une autre question, je me souviens plus. En rapport avec la SNCF. Avec SNCF Réseau et surtout dans la région, ça se passe bien. Ils sont plutôt moteurs et ils nous aident bien. Et auprès de Fret SNCF, ça se passe plutôt correctement également. Merci Charles. J'espère que ça répond à votre question. J'ai une question pour Jérémy, je pense, qui est quel. Alors, je crois que tu es encore là. Oui, je te vois. Quel est le profil recherché en termes de chargé de mission de sécurité ferroviaire? Alors, c'est vrai que c'est des compétences un peu rares, parce que voilà, il faut, je pense, un minimum 5 à 10 ans d'expérience en pôle sécurité. Je pense. C'est nécessaire pour avoir une bonne vision du système ferroviaire avec une approche, si possible, SMI. Après, avoir une connaissance quand même déjà importante en termes de réglementation ferroviaire européenne et nationale, c'est un prérequis important. Avoir une dominante métier, que ce soit matériel roulant, exploitation ou traction, comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir toutes les compétences métiers. Mais en avoir une fortement marquée,
Si possible, traction, parce que ça compléterait avec moi, mais peu importe. Du coup, voilà, une compétence métier, mais aussi plus largement une compétence réglementaire large. Une maîtrise des techniques d'audit, des processus de contrôle, et peut-être ouais, une connaissance des normes ISO serait un plus, parce que du coup, c'est vrai, quand on parle de SGS, bah, du coup, on n'est pas loin de se caler sur des exigences en termes de normes ISO 9001. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut à minima, ouais, 5 à 10 ans d'expérience dans un pôle sécurité. Ouais. J'espère que ça répond à votre question. Merci, Jérémy. Nous avons une question de... Alors, bonjour. Est-ce rédhibitoire de n'avoir pas eu d'expérience en ferroviaire, mais dans un autre secteur de transport aéronautique pour travailler en tant que COP, par exemple? Alors, rédhibitoire, non, pas forcément. Alors, le souci, c'est qu'il y a toute la partie opérateur en sol, en fait, qui est rattachée au poste de COP, donc d'opérations de sécurité qui en sont en lien. Et donc, ça nécessite une reprise de formation qui est assez importante. Aujourd'hui, c'est une prise de formation qui est un petit peu lourde en termes d'organisation, parce qu'on a besoin de vraiment sur ces mois-ci, mais à l'avenir, ça posera moins de soucis. Donc, sur la centre de formation, sur les coopérations qu'on va faire avec eux, on peut permettre justement bah, de faire venir des gens qui ne sont pas issus du ferroviaire. Après, sur une mission COP, on va dire opérationnelle, avec la formation un peu moins lourde, mais il faut bien s'approprier l'environnement ferroviaire. Donc, avoir cette formation en tant que PS en amont, c'est pas plus mal, ça va toujours en quelque sorte. Ça permet de commencer à baigner dans le bain du ferroviaire. Je pense que Charles, tu devrais te rapprocher parce qu'on t'entend mal. Ouais, on t'entend très mal. pas terrible. Si je dois reparler, n'hésitez pas à vous le dire. Il va très calme et très posé. J'espère que ça a répondu à votre question et que vous avez pu surtout bien comprendre les enjeux de Charles. Alors, on a beaucoup de questions, donc je vais essayer de les prendre au fur et à mesure. Je pense que j'ai une question pour toi, Nicolas. Où sont réalisées les maintenances du parc roulant? Avez-vous votre propre technicien de maintenance? Je pourrais répondre à cette question, mais je te laisse répondre. Merci, c'est bien comme ça, on peut parler à plusieurs voix. Voilà. Alors, sur la maintenance du matériel qu'on loue, il y a deux sites de maintenance. Il y a une petite maintenance qui est réalisée à proximité de Saint-Jory. Nous, on ne les assure pas, hein, le matériel qu'on loue, ce n'est pas nous qui assurons la maintenance du matériel, on l'assure avec la maintenance. Et les wagons de mémoire sont maintenus du côté de Narbonne. On n'a pas nos propres centres de maintenance. Et selon toute vraisemblance, sur les rames X72-500, donc le matériel voyageur, on va s'appuyer effectivement sur les facilités essentielles, donc à savoir les technicentres de la SNCF. Voilà. En termes de site de maintenance. Hein. Merci Nicolas, j'espère que ça répond à votre question. Non, il y a une question, vous n'avez pas évoqué, le pôle moyens généraux. Avez-vous un projet de renforcer ce pôle par des recrutements? Je pense que bon, Alexandra ou Nicolas, vous pouvez y répondre. Je peux y répondre aussi, mais Alexandra, tu peux aussi. Ouais, je vais y répondre. Oui, en effet, alors pour le moment, les choses se structurent. Il y a un certain nombre de personnes qui vont rejoindre prochainement le pôle moyens généraux. On a un poste de directeur ou directrice administrative et financière qui a été ouvert récemment, le recrutement est en passe de se finaliser. Voilà, donc sur cette partie-là, en fait, actuellement, on n'a pas de poste ouvert sur ce pôle-là. Néanmoins, effectivement, on vous invite à rester attentif parce qu'il est très probable qu'il y ait des ouvertures de postes prochainement. Et j'en profite pour répondre à l'autre question qui était posée sur justement d'autres types de postes qui pourraient être ouverts prochainement à la coopérative sur des enjeux commerciaux, de développement territorial. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, y compris dans le chat. Oui, bien évidemment que sur la partie développement territorial, référent territorial, la partie commerciale, notamment sur le volet voyageurs, les choses vont être ouvertes prochainement.
on ouvrira les postes quand on aura une idée un peu plus claire de la date effective du lancement du service. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces postes ne sont pas ouverts. Mais vraisemblablement, effectivement, si les choses se passent comme on l'imagine, on va dire courant ou début 2023, on devrait être en capacité d'ouvrir ces postes sur le développement du voyageur. Voilà, donc on vous invite vraiment à rester attentif à ces offres. Et si je peux compléter d'ailleurs sur la partie, donc voilà, je vous invite même à candidater de manière spontanée. Puisqu'on s'organise donc au sein du service de manière à archiver tous les profils. Alors, on n'a pas forcément le temps d'y répondre et je m'excuse auprès des gens à qui on n'aurait pas encore répondu. On reçoit quand même beaucoup de candidatures et voilà, ce n'est pas forcément évident de pouvoir répondre à tout le monde, mais on archive les candidatures et on les classe en fonction effectivement de vos compétences. Et lorsqu'un poste s'ouvre, la priorité chez nous, c'est qu'on va voir d'abord les candidatures qu'on a reçues et on recontacte les gens et qui, effectivement, ont un profil correspondant. Parfois, ça matche en termes de temps. Parfois, ça ne marche pas. Mais voilà, sachez qu'on va d'abord dans ce vivier de candidatures spontanées. On a parlé, donc on a une question sur le recrutement de profils juridiques. Donc, je pense qu'on peut y amener exactement la même réponse. Ne pas hésiter à candidater. Des certifications de type ISO 9001 sont-elles envisagées par RICOP? Tu veux répondre, Nicolas, ou je le fais? Vas-y, si tu veux. C'est des choses qu'on a en ligne de mire. En effet, la question de la qualité, et de toute façon, comme ça a été dit, hein, la question de la sécurité et la question de la qualité, ça fait partie en fait de la colonne vertébrale de RICOP. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on avance pas à pas, donc on est en train de travailler sur un certain nombre de sujets. C'est dans les perspectives, et c'est pas immédiatement, on va pas forcément déposer une demande de certification ISO dans les tout prochains mois, en tout cas. Mais en tout cas, on est effectivement dans cet état d'esprit. On a commencé un certain nombre de travaux pour envisager des mises en conformité. Alors avec la norme ISO 9001, mais pas qu'avec la norme ISO 9001, avec d'autres normes, effectivement, d'autres certifications qualité sur d'autres sujets. Tu veux compléter? Non? Non, juste pour dire, enfin, peut-être que Jérémy pourra compléter aussi. En fait, cet enjeu du système de management intégré, en fait, dès l'origine, quand Jérémy il a conçu notre système de gestion de la sécurité, notre SGS, il l'a conçu pour pouvoir aller vers un système de management intégré. On a une approche notamment par processus qui est… Enfin, voilà, donc tout a été pensé en vue de pouvoir aller plus loin. Simplement, on y va étape par étape. Et c'est pour ça que ça me permet de faire le lien aussi avec les deux questions qui ont été posées là-dessus. Est-ce qu'on envisage de constituer un bureau d'études techniques, je pense, interne, pour répondre à des exigences, notamment de matériel? À date, pas pour l'instant. On va s'appuyer sur des ressources extérieures. On a un très bon partenariat aujourd'hui, de très bons échanges avec ACCM, notamment sur la rénovation du matériel roulant. Mais c'est vrai que cette question du matériel roulant est un vrai enjeu dans le domaine des voyageurs, dans le domaine du fret aussi. On se rend compte qu'il y aurait pas mal de choses à faire au niveau de l'innovation de matériel sur le matériel fret. Donc, pas pour l'instant, on va pas internaliser ces fonctions à une courte échéance. De même qu'on n'a pas prévu d'internaliser à une échéance courte la question de la formation, notamment des conducteurs. On ne va pas avoir notre propre centre de formation à une échéance courte. On s'appuie bien entendu sur déjà des centres de formation certifiés pour divers sujets, mais on n'a pas prévu à date d'avoir un centre de formation interne, et notamment pour les conducteurs. On est trop petit. Il y avait une question qui apparaissait dans le chat. Accepteriez-vous des offres de profil en externe, en bureau d'études ou de conseil et de conseil? Alors, a priori, effectivement, on cherche plutôt à recruter des gens en interne. Et voilà, mais Nicolas, Charles, je vous laisse répondre. Charlotte, Nicolas? Pardon. Du coup, non, j'avais un problème là pour le coup. Donc, du coup, sur le fait des profils en externe, en bureau d'études et de conseils, en fait, ça dépend.
Il y a des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer effectivement sur des ressources externes, et puis il y a des fois où ce n'est pas possible, notamment au regard des exigences réglementaires. Donc, c'est difficile de faire une réponse générique là-dessus, mais voilà, ça dépend en fait. Je ne sais pas, Charlotte, si vous complétez. Non, je suis complètement d'accord avec ce... Je suis en phase. on a une question également donc, sur la politique de rémunération. Donc, quelle politique de rémunération Railcoop souhaite s'axer sur les niveaux de rémunération des autres opérateurs ou avec une politique de rémunération plus originale? Alors, plus original, je ne sais pas forcément ce que ça veut dire. Je suis désolée, mais en termes de politique de rémunération, aujourd'hui, alors Alexandra, tu m'arrêteras si je dis une bêtise, mais de par notre agrément ESUS, de toute façon, on a et de par les statuts, on a une obligation. Que tu as rappelé tout à l'heure et que je veux bien que tu rappelles en termes d'application de la politique salariale dans un premier temps. Oui, en effet, en fait. Alors, il y a effectivement les statuts, l'agrément ESUS auquel on souhaitait se conformer, qui encadre en fait les salaires au sein de la coopérative, c'est-à-dire que l'échelle des salaires ne pourra jamais excéder un ratio de 1 à 7. Alors, dans les faits, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur ce ratio-là, parce qu'on est sur un ratio de 1 à 3,5, je crois, entre le plus haut et le plus bas salaire. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y a cette logique de se dire qu'on est dans une échelle relativement limitée de salaire, mais pour avoir aussi une équité, une égalité du partage de la richesse produite entre les salariés, ça nous semble important. Donc, c'est ça. Ensuite, effectivement, il y a la question de la rémunération, mais il y a la question de la rémunération, elle est beaucoup plus large que ça. C'est aussi l'ensemble des avantages sociaux. Et ça, le cadre social aujourd'hui est en train d'être construit. On le construit notamment avec le CSE, on le construit avec les différents partenaires, avec les sociétaires. Je tiens à dire aussi, c'est qu'on a ce statut d'entreprise très particulier, c'est-à-dire que on a effectivement une communauté de sociétaires aujourd'hui qui représente près de 12 000 personnes les 12 000 personnes ne sont pas actives dans la coopérative, mais il y a un certain nombre de cercles de réflexion sur un certain nombre de sujets, et donc on est aussi dans cette réflexion sur la construction du cadre social. Mais d'ores et déjà, et Charlotte tu vas pouvoir répondre de manière plus précise là-dessus, on a déjà mis en place un certain nombre de choses en allant au-delà de la convention collective du ferroviaire, notamment sur la prévoyance, mais là je te passe la parole sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. On a déjà, on est une société donc de 37 collaborateurs et on essaye de grandir en même temps et sur tous les pans, et notamment effectivement sur la partie avantages sociaux. Enfin voilà. Et donc aujourd'hui, on a un contrat de prévoyance et de mutuelle qui sont pris en charge en intégralité par la société. Et on n'est pas sur des petites couvertures, on est vraiment sur des couvertures. En tout cas sur la mutuelle, vraiment une gamme intermédiaire, mais intermédiaire plus quand même. Et sur le contrat de prévoyance, on est, on va dire, au-delà de ce que nous, entre guillemets, impose la convention collective de branche. Typiquement, pour vous donner un exemple, la convention collective de branche impose au moins 70% donc, de prise en charge de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail. Nous, on est sur un maintien à 90%. C'est un titre d'exemple. La convention collective nationale de branche n'impose pas de contrat de prévoyance pour les salariés non cadres. Nous, on le fait. Et tout est pris en charge à 100% par Railcoop. Donc, ces deux exemples-là sont déjà au bénéfice, bien sûr, de nos collaborateurs. On a également mis en place du télétravail qui est possible et organisé. On essaye de travailler autour de tout ça pour que ce soit organisé, qu'on se retrouve pas avec des travailleurs isolés et de les accompagner au mieux là-dedans, mais aussi de respecter certaines envies de télétravail et certaines dispositions là-dessus. On a aussi la prise en charge de la carte SNCF Liberté pour les collaborateurs qui voyagent plus de 4 fois par an, donc pour aller sur les différents sites. Donc, vous l'avez vu, on est répartis sur différents lieux géographiques. Et ça, donc après, ils peuvent en bénéficier, bien sûr, pour leur usage personnel. Et sur Figeac, donc, nous avons entre Figeac et Cap de Nac, qui se situent à près de 10 km l'un de l'autre,
nous avons mis à disposition de nos nouveaux arrivants un appartement et un accompagnement du Grand Figeac, donc de la communauté de communes, qui aide donc les nouveaux arrivants, leurs familles, à s'intégrer dans la région, à trouver un emploi à la personne qui les accompagne, le conjoint, la conjointe, des écoles pour les enfants. Et ça, c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur eux, et c'est un avantage certain qu'on peut proposer à nos futurs collaborateurs qui arriveraient sur le Lot et l'Aveyron. Voilà, et bien sûr, tout ça est en train de se construire aussi avec, comme le disait Alexandra, le CSE, les équipes. Voilà. Je crois que nous n'avons plus de questions pour l'instant. On a répondu à toutes les questions. J'ai mes collègues qui sont un peu des fous derrière, donc vous me voyez sourire, c'est normal. Alors, un développement de l'activité fret hors axe actuel est-il envisagé, prévu ? Voilà. Je vais répondre là-dessus. Oui, encore une fois, on y va étape par étape. Hein. Donc, au niveau du fret, les orientations qu'on a prises, c'est de ne pas se disperser, donc de se renforcer sur notre terrain de jeu dans un premier temps, effectivement, sur la région Occitanie. On est en train de se développer. Alors, quand je dis région Occitanie, c'est pas forcément dans le périmètre strict de la région. On peut aussi, comme le disait Jérémy, on a notre certificat de sécurité qui va un peu plus loin. Donc, voilà, mais de démarrer effectivement sur cette zone-là. Mais bien entendu, effectivement, à terme, c'est d'être en capacité d'aller aussi sur d'autres territoires. Ça va se faire étape par étape. Je pense que 2023, avec, comme le soulignait Charles, je pense qu'on a déjà beaucoup de choses à faire sur notre terrain de jeu. Mais bien entendu, c'est quelque chose qui est envisagé. Hein. L'idée étant vraiment de s'adresser à tous les territoires sur le fret. Voilà, moi, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais je sens qu'il y a effectivement on est dans le sens de l'histoire, quelque part. Il y a un vrai engouement pour le fret ferroviaire en ce moment. Et je pense que c'est pas propre uniquement au territoire sur lequel on opère. Voilà. Donc oui, c'est envisagé. Par contre, il faut qu'on le dimensionne. Et il faut, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de concepteurs techniques de services ferroviaires pour qu'ils soient en capacité de concevoir techniquement les futures offres qui vont nous permettre d'aller progressivement un peu plus loin et d'évaluer les choses. Voilà. Je te repasse la main, Charlotte. Oui, merci beaucoup, Nicolas. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions dans les Q&A, je vous remercie à tous pour votre participation. Je remercie aussi toute l'équipe qui nous a accompagnés sur ce projet de webinaire RH. Donc, on vous rappelle, donc le site, c'est www.raicop.fr, et Alexandra, je crois que tu as rappelé aussi l'adresse. Bon, oui. Merci beaucoup. Note pour la prochaine fois, notez l'adresse de recrutement, l'adresse de pour postuler. Donc, c'est recrutement@raicop.fr. N'hésitez pas à candidater de manière spontanée ou aux postes qui sont ouverts. On essaiera de répondre vraiment à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous et bel été et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.